Bonjour les frères et sœurs, comment allez-vous? Comme vous le savez sans doute, ceci est la partie numéro 2 et de cette partie, nous parlerons des anges qui suivent les gens, même qui protègent les gens. Ça va même être chaud. Nous sommes dans une vidéo de type analyse et c'est la vidéo analyse numéro 81. Let's go! Wow, bonjour les frères et sœurs, comment allez-vous? Ceci est la partie numéro 2, ici nous parlerons des anges. Dans la première partie, nous devons montrer à tout le monde comment les démons marchent avec les gens. On vous a présenté des esprits, des morts qui marchent avec les gens, des fantômes, des gens, des choses. Parfois on a du mal à y croire, vous pouvez regarder la première partie pour en savoir plus. Et ici, nous sommes là pour parler de Dieu, nous sommes là pour parler des anges que Dieu envoie pour marcher avec les humains, tout simplement pour les aider. Les anges sont tout simplement nos compagnons de service. Les anges ne sont pas Dieu, ils sont juste nos compagnons de service. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que eux, ils sont juste là pour nous aider dans notre tâche. Eux, ils vont nous aider, ils vont même nous protéger, ils vont même nous transmettre le message de Dieu. Et nous, quand nous sommes des vrais chrétiens, ce qui se passe, c'est que Dieu envoie beaucoup d'anges autour de nous et on nous dit même de la parole de Dieu que les anges de l'Éternel campent autour de ceux qui le craignent. Et ça, c'est extraordinaire. Ça veut dire que quand vous devenez chrétien, vous avez au moins deux anges auprès de vous. Deux. Je ne dis pas un, mais je dis deux au moins. Et quand vous avez la crainte de Dieu, ça, c'est encore plus extraordinaire qu'extraordinaire. Et vous pouvez vous en réjouir parce que Dieu est avec vous. Mais continuez sur cette voie. Parce que si vous allez jusqu'au bout, ce que Dieu va même vous donner, ça va vous plaire. Ça va vous plaire. Là, nous allons maintenant parler des anges. Vous allez voir ce que les anges peuvent apporter aux humains. Mais attention, ne faites pas des prières adressées aux anges. Ça, c'est interdit. Certains appellent les anges les saints. Saint comme ceci, saint comme cela. Ah! Où Dieu l'a dit, il y a beaucoup de doctrines. Mais ce que nous voulons vous montrer aujourd'hui, c'est que vous devez savoir que quand vous êtes sur le bon chemin, vous n'êtes pas seul. Même dans vos difficultés, Dieu est avec vous. Et les anges de Dieu aussi sont là pour vous garder. Regardez ça. Waouh! Est-ce que vous voyez ça? Attendez, regardez ça. Voyez-vous quelque chose? Regardez, nous allons zoomer juste un peu. Oh, vous allez voir, regardez, bon, regardez ça. J'espère que vous voyez. On voit des anges qui sont là. Et ces anges qui sont là ne sont pas là pour rigoler. Ils sont même en train de chanter. Chanter pour qui? Regardez maintenant juste à côté. Waouh! Qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'ai même des hallucinations. Comme vous le voyez, c'est extraordinaire. Des anges sont en train de jouer aux instruments de musique. Et juste en dessous, on voit des enfants qui sont même ici en train de se réjouir. Et les oiseaux qui sont juste là à côté, ces oiseaux-là sont juste là pour montrer la présence du Saint-Esprit. On parle de la colombe. Tout ça, c'est ce qui est joli. C'est tellement joli, puisque joli que vous ne pouvez vous imaginer. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a encore ça. Qu'est-ce qu'on voit ici? Ici, ce sont des caricatures, les chrétiens, les gens ont fait juste pour montrer la gloire de Dieu. Là, on voit le Seigneur Christ qui est sorti de la tombe le troisième jour. La parole de Dieu nous dit qu'il a été ressuscité. Et le troisième jour, lui, il est sorti carrément de la tombe pour venir saluer les gens. Oh, qu'est-ce qu'il va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Les gens du monde ont transformé ça. Et les gens du monde disent que quand Jésus-Christ est sorti de sa tombe comme ça, il est venu et puis il a dit, ok, il n'y a pas de souci. Que tous ceux qui m'ont tué, vous allez voir. Je vais me venger. Qui a dit ça? C'est faux. Est-ce que le Jésus-Christ est revenu à la vie juste pour se venger? Ça m'étonnerait. Dis à ton ami qu'à côté, c'est pas sûr. Ce que je sais que quand le Saint-Esprit est revenu, sorti de la mort, et il est revenu à la vie, il a cherché à rencontrer ses disciples et pour donner le message de la confirmation de sa venue. Donc Jésus-Christ, il est ressuscité décidément le troisième jour. C'est pas ta blague, hein?
Est-ce qu'il a été aidé par les anges? Franchement, je pense que les anges sont ses serviteurs. On vous a dit que ce sont nos compagnons de service. Et sans doute sur ce chemin, ils l'ont peut-être aidé. Dieu sait ce qui s'est passé pendant ces 3 jours-là. Mais ce qui est sûr, nous retenons l'essentiel, c'est que le Seigneur Christ est de retour. Oh! Mais regardez ça! Envoie un enfant. Et cette colombe juste en haut de lui, elle a juste pour matérialiser le Saint-Esprit. Et juste en dessous, on voit The Gift of Understanding. Qu'est-ce que ça veut dire? Ceux qui comprennent bien anglais, faites la traduction et sans dessous. Regardez ça, bon, puisque nous sommes en live ici, vous pouvez y réagir. Mais regardez ça. On parle encore de The Gift of Console. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous pouvez aussi nous dire directement dans le live chat, puisque nous sommes en live. Regardez bien dans le live chat, écrivez quelque chose. Et vous voyez que cet enfant est juste en train de marcher. Et on nous montre que le Saint-Esprit de Dieu qui est envoyé par Dieu, ce qui nous a été promis par le Seigneur Christ qui est vraiment arrivé, est en train de guider l'enfant. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui guide l'enfant. Et l'enfant, il continue à marcher. Et le Saint-Esprit guide l'enfant aussi vers la parole de Dieu. Parce que si le Saint-Esprit ne vous guide pas vers la parole de Dieu et la parole de Dieu véritable, c'est que l'Esprit vous avez reçu. Aucun bon esprit ne vous guidera vers le péché ou vers le mal. Eh bien, c'est impossible. Il doit tout simplement vous guider vers le droit chemin, le bon chemin, juste pour sauver votre âme, pour maintenir sur le bon chemin, jusqu'au paradis, jusqu'au ciel, pour que vous soyez accueillis par les anges, Dieu lui-même, même le Seigneur Christ, Abraham, tout ce que vous connaissez. Ah, ça va être chic! Dieu a ton ami qui a goûté, ça va être chic! Dieu a ton ami qui a goûté, ça va être chic! Et ça, c'est hors du commun. Comme vous le voyez, les gens prient et le Saint-Esprit nous aide même à faire de tels messages. Regardez, je suis en train de vous parler. Est-ce que tout ce que je suis en train de vous dire, ça vient de moi? Ah, c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même qui m'aide à vous dire des choses. Même toutes les vidéos que nous faisons, c'est pas facile du tout. Mais si nous arrivons à les faire, c'est parce que Dieu est avec nous, Dieu nous soutient et le Saint-Esprit nous parle. Le Saint-Esprit là que Dieu nous a envoyé pour nous guider sur le bon chemin. Et le Saint-Esprit se base sur la parole de Dieu pour pouvoir parler aux gens. Ça veut dire que toi, si tu veux que Dieu te parle beaucoup, il faut beaucoup prier. Mais pas seulement, il faut aussi lire la parole de Dieu. La Bible 66 livres pour que le Saint-Esprit puisse se manifester, puisse te parler de plus en plus, pour que toi tu aies moins de problèmes dans ta vie. Les anges sont là pour t'aider à ne pas tomber dans les pièges bizarres. Mais en lisant la parole de Dieu, toi aussi tu vas les aider à bien travailler, à bien faire leur service. Et regardez encore ici. Waouh! On voit des gens qui sont juste là même. On va dire que les disciples de Jésus-Christ, ils étaient tranquillement assis quelque part ou en train de s'endormir quand le Seigneur Christ est allé prier et ils l'ont vu. Deux personnes apparaissent juste là comme ça. Aïe 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 aïe, qui êtes-vous? Que faites-vous ici? Et ces deux personnes sont ici et elles sont venues parler à Jésus-Christ. Qui sont ces personnes? Réagissez de la chat, nous sommes là dans la chat, réagissez maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'il y a Moïse dedans. Et Moïse et Élie. Dieu est vivant. Hein? Dieu est joli. Et les deux sont venus donner un message au Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est réel. Vous voyez comment ils viennent, comme on dit quand on dit que les anges sont aussi des compagnons, ils jouent un peu le même rôle. Ils viennent. Il donne des messages. Ce que Moïse tient dans la main là-bas, c'est comme une pierre où se trouve une écriture. Sur cette écriture se tient un message. Et les anges viennent vous donner des messages de Dieu quand vous êtes profondément endormi dans vos songes. Dieu peut vous parler et vous donner des informations sur ce qui va vous arriver même demain ou dans le futur ou même ce que vous devez faire. Ah, regardez encore. Ici, les gens ont fait cette image pour monter l'ascension. Comment Jésus-Christ nous a quittés
et l'étang, il a levé le ciel, l'étang a levé vers le ciel. Et on nous dit qu'il va revenir de la même façon. Et ce sera hors du commun. Est-ce que vous y croyez même? Est-ce que vous y croyez? Et les gens même ici ne croient même pas du tout. Les gens même qui ne croient même pas du tout. Ils pensent même que c'est de la blague. Ah! Hey! Regardez les anges. Les anges dans le ciel, ils font des choses hors du commun. Et ça, oh mais ça me plaît. Quand je regarde ça, je dis mais pourquoi ne m'avez-vous pas invité à votre show? Parce que comme moi je regarde, j'ai l'impression que c'est même chic. J'ai même envie d'y aller. Mais pourquoi ne m'avez-vous pas invité à votre réunion? J'ai envie d'adorer Dieu aussi. Si toi tu vas aller au ciel, tu veux vraiment aller au ciel, déjà sur la terre, commence à louer Dieu. Chanter des chansons à la gloire de Dieu, pas n'importe quelle chanson. Toi, tu ne mets pas ta bouche dans toutes tes chansons. Tu ne peux pas aller au ciel. Et quand tu ne peux pas aller au ciel, Dieu, il est gentil. Il va envoyer des anges qui vont même marcher avec toi. Les anges vont camper autour de toi. Ils sont nombreux, ils sont même tes compagnons. Et tu peux les voir une fois. Mais les gens qui viennent t'attaquer, c'est-à-dire tes ennemis, même les démons, même les sorciers, eux, ils verront une troisième personne marcher à côté de toi. Ou deux autres personnes marchent à côté de toi. Et ces personnes-là, ce sera tout simplement des anges de Dieu. Oh! Comme c'est chic, c'est joli! Tiens ton ami qui a côté que c'est joli! Tiens ton ami qui a côté que c'est joli! Tu vas aller au ciel et tu vas voir tout ça. Ah! Et la crainte de Dieu. Et accroche-toi à Dieu plus que jamais. Est-ce que tu as compris? Je suis sûr que tu as bien compris. C'est extraordinaire. Regardez encore ça. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah! Voyez-vous? Attendez. Il y a une serviteur de Dieu qui a vu ça. Et ce serviteur de Dieu, il voyait des anges monter et descendre du ciel comme s'il y avait une échelle entre le ciel et la terre. C'est-à-dire l'échelle est positionnée. Et eux, il ne faut que monter, comme vous le voyez ici, et descendre aussi, comme vous le voyez là. Ah! C'est joli, t'es. Tu as ton ami, c'est joli, t'es. Dans la vidéo précédente, vous a montré les démons, c'est vilain. J'aime pas parler de ça, de l'enfer, tout ça, ça m'énerve. Mais si tu es dans le message, il faut partager, c'est pourquoi on parle souvent pour alarmer les gens. Mais le ciel est tellement beau. Maintenant, même je vais vous parler du ciel. Nous allons vous montrer des choses qui sont jolies pour attirer votre attention. Parce que vous ratez des fois les choses. Hein. Les gens cherchent à s'enrichir sur la terre. Les gens cherchent à avoir des grandes maisons ici. Les églises attendent au ciel, elles disent milliards de fois mieux. Et si c'était vrai qu'il y a un escalier? Ou une échelle plutôt, qui nous envoie, qui nous enverra jusqu'au ciel. Et si c'était vrai? Mais ça, vraiment, c'est joli, on doit le reconnaître. Faut reconnaître, mais si tu n'es pas gentil, faut le reconnaître. Regarde encore ça. Waouh! Qu'est-ce que c'est? Un ange gardien. Un ange gardien, une femme, mais qu'est-ce qu'elle fout là? Voici le corps des anges gardiens. Qui se dessine au fur et à mesure. Mais c'est joli, t'es. Regardez ça. Elle se présente comme une femme qui cherche à garder ses petits. Bon, ses enfants. Et regardez l'enfant. L'enfant risque de tomber. Hein? Il cherche à couper la fleur. Mais elle prend des risques. C'est dangereux. C'est à ce moment-là que l'ange du Seigneur est là pour venir nous secourir, nous garder, nous préserver du danger. Regardez ça, regardez même ça. Regardez même ça. Waouh! Quelle image! C'est joli. Hein? Moi, j'aimerais même que les anges de Dieu me gardent encore plus mes enfants, ma famille, tout ce que j'ai de plus précieux. Seigneur mon Dieu, si tu me couvres, faut me garder! Dis mon frère, mon Seigneur, mon Dieu, si tu me couvres, mais gardez ma soeur, il faut répéter la même chose. Aïe, 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 aïe. N'attends pas demain pour dire ça. Dieu veut te garder aujourd'hui.
Et regardez même ça. C'est même joli. Veux-tu aller au ciel ou en enfer? Moi, j'ai envie d'aller au ciel, même le premier. Je vais être le premier à être sur la liste de ceux qui vont aller au ciel. Que Dieu lui-même donne fait face. Que Dieu fasse descendre sa grâce, sa faveur, sa grâce sur moi comme ça. Que Dieu puisse aller au ciel à la fin de tout ce travail dur et même difficile que ce monde peut faire. Vous n'imaginez pas. Ah! Mais ça va arriver. Regardez ça. Encore un autre ange qui garde un enfant. Ils font bien leur travail. Et c'est avec douceur. Vous voyez comment Dieu veille sur nous. En fait, c'est Dieu qui veille sur nous. Eux, ce sont nos compagnons de service. Ils nous aident. Et ils font leur boulot. Regardez comme c'est joli. C'est bien. C'est même très bien. Waouh! C'est extraordinaire. Et quand on regarde ça, on peut se dire que vraiment, le rôle des anges parmi nous, c'est pas de la blague, ça sert à quelque chose. On a l'impression que cette fille-là se trouve au ciel. Ou elle est gardée par un ange. Et comme il y a un truc que je ne comprends pas bien. Dites-moi, est-ce que des anges femmes, des anges qui ressemblent aux femmes, ou des femmes qui sont des anges? Moi, je ne sais pas exactement si ça existe. Mais les gens ont quand même fait des dessins. Ça, c'est des dessins. Ce sont les choses que les gens ont vues. Et les artistes ont juste dessiné. Et ça, c'est une œuvre d'art. En faisant ça comme ça. Et c'est joli, hein? Qui peut dire le contraire? Waouh! Et cette jeune femme continue à garder les deux petits. C'est ce qu'on appelle les anges protecteurs. Et cet ange-là marche avec les enfants. Et ça veut dire que Dieu marche avec nous. Et regardez comment ils ont, elle a les deux mains. Elle a les deux mains comme ça. Et elle ne veut pas qu'un problème arrive aux enfants. Et elle essaie de les garder. C'est quand même joli. Hein. Et c'est bien. Regardez encore ça. Vous voyez ça? Qu'est-ce que c'est? Ici, les gens disent qu'ils ont filmé des anges dans la vraie vie. Les gens disent qu'avec les caméras, ils ont pu filmer des anges. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce qu'un ange, on peut le voir facilement comme ça, on peut le filmer? Je ne saurais vous répondre parce que moi, je n'ai jamais vu un ange que j'ai pu filmer. Moi, j'ai déjà vu un ange, mais c'est un esprit. Quand tu t'endors, tu peux le voir parce que c'est un esprit. Ceux qui ont le troisième œil, les yeux spirituels, qui sont ouverts, eux, ils peuvent le voir. Les sorciers, ils peuvent voir les anges. C'est possible. Mais filmer comme ça, dans la vraie vie, peut-être que ce sont les démons, les gens ont vu. Peut-être que ce sont les démons. Ou des anges démons. Mais regardez comment les gens ont fait ça. Ça me tourne quand même. Hein. Et comme ce temps-là se trouve dans le ciel, les gens vont dire, ah, comme ce temps-là se trouve dans le ciel, c'est que c'est un ange de Dieu. Oh, gloire à Jésus. Jamais. Vous devez savoir que quand il y a la guerre dans le ciel, des anges sont tombés, le un tiers des anges sont tombés avec le diable. Les gens qui sont tombés dans l'eau sont transformés en sirènes, en serpents géants. Ils sont même devenus des démons. Il y a d'autres qui sont tombés dans les forêts. Mais il y a aussi certains anges qui sont restés dans le ciel. Je ne sais pas si c'est le deuxième ciel, mais ils sont quelque part là-bas au ciel. Ils sont dans les airs. Ce sont les démons des airs. Et ils sont juste là, dans les airs là-bas, et ils observent tout. On dit même que quand vous priez, quand nous prions, si nous ne sommes pas forts dans la prière, si on ne tue pas longtemps dans la prière, eux, ils vont bloquer nos prières de sorte que ça ne puisse pas monter. On a même découvert ça. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? C'est que si c'est comme mon frère, toi, tu dois même prier et jeûner. Lire la parole de Dieu. Rester propre. Évite le monde.
et ne te laisse pas séduire par tout ce que tu vas voir. Même le diable peut se déguiser en ange de lumière. Dieu nous a prévenu de cela. Et toutes ces choses qu'on nous montre comme ça, moi je ne crois pas trop. Je ne crois pas trop. Quel intérêt un ange gagnerait à venir se présenter comme ça? Moi je pense que ce sont les démons qui cherchent à être des stars. Mais des célébrités. Ouh! C'est à peu près la même chose. Comme la première image. Mais c'est vrai, hein? Où est la différence? Bon, il y a un peu de différence quand même. Entre ça. Et puis. Ça. Ici, regardez même la taille de ses ailes. On a même l'impression que c'est du fake. Vous avez l'impression que c'est du montage. Moi, j'ai même l'impression que c'est du montage. En tout cas, moi, je ne crois pas à ces apparitions d'anges comme ça. Moi, si on me dit Jésus revient, moi, je fais ça. Quel intérêt Dieu gagnerait à exposer un ange comme ça? Juste comme ça. Quel serait l'intérêt de Dieu? Qu'est-ce que Dieu va gagner là-dedans? C'est même de la comédie. Ouh! Qu'est-ce que c'est ce truc? Mais que se passe-t-il ici? On voit une personne qui est juste couchée là. Cette personne est tellement dépassée par la vie, par les soucis de la vie. Elle dit, oh, les soucis de la vie sont trop. Ce que les gens me font sont trop. Ce que je suis, je vis, c'est trop. Il faut que je me suicide. Et la meilleure façon de se donner la mort, c'est de se positionner juste là pour que le train passe sur elle. Regardez. Ça, c'est une très mauvaise idée. C'est une très mauvaise idée. Une très mauvaise idée. Faites très attention. Regardez. Regardez. Et le train, lui, ne rigole pas. Lui, il arrive carrément. Regardez même à distance. Le train, même, est devenu. Et on voit même des anges, des hommes qui sont même remplis même dans le train. Qui sont même sur le haut du train. Est-ce qu'il ne voit pas? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que cette photo est une photo montée? C'est possible. Mais il y a des gens qui le font, hein, qui se jettent sur le passage d'un train. On a même fait une vidéo là-dessus. Ah! Une fille s'est suicidée alors qu'elle était jolie. Elle allait se jeter sur le passage d'un train. Et ça n'arrive pas à la décider. Quand vous tentez de vous suicider, vous êtes accompagné par les démons. Et ce sont les démons du suicide qui vous accompagnent. Mais Dieu n'est pas bête. Dieu doit vous garder. C'est pourquoi le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là pour vous guider. Le Saint-Esprit est là pour vous guider. Et le Saint-Esprit va utiliser la parole de Dieu pour vous consoler. C'est dans la parole de Dieu que Dieu va vous consoler. Pour vous aider à dépasser les soucis de la vie. Il y a trop de soucis sur la terre. Ah, mes frères et sœurs, c'est pas facile. Nous, on ne peut pas tout vous dire pour vous dire que c'est un peu compliqué, certaines choses. Sinon, ce ne serait pas intéressant. Ceux qui peuvent nous soutenir d'abord par la prière. Priez pour nous. Parce que Dieu doit nous sauver notre âme, nous donner la force et la santé. C'est très important. Arriver à dépasser tous les soucis de la vie. C'est un combat. C'est pourquoi le Saint-Esprit est là. Il faut vraiment s'accrocher à Dieu et ne pas tenter les trucs terribles comme ça. Ne faites pas ça chez vous. Quel que soit ce que vous traversez dans la vie, confiez-vous à Dieu. Confiez-vous au Seigneur Christ dans la prière. Et dans la prière, Dieu va vous parler. Le Saint-Esprit va vous consoler. Et il va vous donner de l'espoir. Sans espoir, l'homme ne peut pas vivre. Sans espoir, vous ne pouvez pas vivre. Vous avez forcément besoin que Dieu soit avec vous. Et de tout ce que vous devez faire, vous devez mettre devant Dieu. Est-ce que quand tu vas mettre Dieu devant Dieu, tu vas demander à Dieu de t'aider à te suicider comme ça? Ce n'est pas possible. Et ici, les gens ont mis une image terrible qui est là, genre comme un ange. Qui vient de sauver la personne. Ah! Est-ce qu'un ange peut-il venir juste là comme ça physiquement, comme avec des lumières, genre comme ça pour venir sauver la personne? C'est possible, mais
La plupart du temps, quand Dieu doit sauver une personne, il n'utilise même pas des méthodes même compliquées ou bien hyper sophistiquées. Si j'entends avoir un ange dans toute sa gloire de la lumière. Non, c'est simple. Tu vas voir une personne ordinaire comme Nyon Seban qui te parle même en ce moment. Et cette personne te dit, quel que soit le souci que tu traverses, Dieu peut t'aider. Viens au Seigneur Jésus-Christ, il va te sauver la vie. Il te sauvera l'âme. Il va te décharger de toutes tes souffrances. Même si c'est Dieu, tu vas réussir. La personne qui vient te parler, c'est qui? Tu peux voir un homme. Tu verras un homme. Mais Dieu utilisera cet homme-là pour pouvoir te parler. C'est Dieu qui t'a parlé. Et l'ange qui va venir vers toi, il aura la même forme que moi. Il n'aura même pas un vêtement très joli. Est-ce que mon vêtement met ça à tâtir? Peut-être même que je suis trop joli. Peut-être que j'ai bien m'habiller, même mal, même pour que tu ne puisses pas me regarder, pour que tu puisses bien comprendre le message. Mais tu dois comprendre que les anges ne seront pas glorieux comme ça pour venir vers toi pour t'aider. Hein. Ils seront même simples, même habillés comme la personne qui est juste même là ici. Et ils viendront te donner de bons conseils. Ils viendront te parler, même te dire, ma soeur, si tu as l'habitude de pécher, même dans toute la prostitution, arrête maintenant. Toi, tu dois écouter ce qu'ils te disent et tu seras sauvé. Regardez cette image. Ici, on voit une image qui a fait vraiment le tour du monde. Cette personne qui est juste là, à côté, juste là, dans ce montage, on a vu une personne qui est apparue là ici par magie et qui a délivré une autre personne qui avec le chariot jusqu'au fond là-bas d'un accident. Et ce véhicule qu'elle a là, c'est le véhicule qui devait en principe écraser cet homme. Et le propriétaire de ce véhicule, c'est celui-là même qui est même juste là devant nous ici. Vous le voyez? Et lui, il est étonné de voir qu'il y a eu un tel miracle. Parce qu'une personne est apparue, a fait éviter l'accident. En plus, cette personne a déplacé cet homme qui est là-bas à quelques mètres du lieu d'impact. Où l'accident devait se créer. C'est étonnant. C'est même pas possible. Comment ça se fait? Donc lui, il vient pour voir. Et ça, après les informations, on a découvert que c'était juste un montage des gens, juste pour faire une publicité d'une marque. C'est possible. Et regardez encore, quand on parle des anges démons, ça existe. Ça, c'est quoi ça? On voit un ange qui est très amoureux, lui, il a beaucoup de femmes, tout simplement. Lui ne perd pas le temps avec nous. Il a juste beaucoup de femmes. Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce le diable ou un vrai ange? Laissez un petit commentaire ou dans le live chat ici, on vous attend. Et dites-nous ce que vous en pensez. La réalité de live chat. Ou vous regardez la vidéo après le live. Vous pouvez également nous dire dans un petit commentaire si c'est un ange de Dieu ou pas. Maintenant, dites-nous, laquelle de toutes ces images vous a le plus intéressé? Regardez même ça. Moi, franchement, l'image qui m'a le plus intéressé, c'est cette image même qui apparaît juste ici. Regardez ça. Des anges qui descendent du ciel, qui montent comme ça. Ah, ça m'étonne un peu. C'est assez super naturel. C'est vraiment étrangissime. Si vous voulez, regardez vous-même. C'est vraiment inquiétant. C'est vraiment extraordinaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner. De vous préparer pour la prochaine vidéo qui va venir. Parce que quand je regarde même ça, ça me donne envie de faire une autre vidéo, d'aller au ciel. Surtout, allons au ciel, mes frères. Le ciel, c'est même joli. Waouh, c'est extraordinaire. Mes frères et sœurs, pour ne pas manquer la prochaine vidéo, cliquez sur s'abonner si ce n'est pas encore fait. Et cliquez sur la cloche pour l'activer. Et si vous cliquez sur j'aime, ça nous ferait énormément plaisir. Et tous ceux qui veulent également faire des dons pour me soutenir, en dessous de cette vidéo, dans la partie description, se trouve toutes les informations qu'il vous faut pour faire des dons. Nous vous recommandons de faire des dons via WSLN. Waouh!